s'assoit. Normalement, c'est le rôle de griot pour parler, mais comme il prend le temps pour changer la méthode, c'est mon rôle pour parler. Normalement, on avait un contrat, comme on jouait en un pays germanophone ou anglophone, c'est mon rôle pour parler. Et comme c'est un pays francophone, c'est Abla qui parle. Tu prends beaucoup de temps, Abaye. Là, je change de méthode, là. J'accorde pas. Qu'est-ce que ton papa dit? Au fait, Volkan, il a pas tout dit, hein. Il a juste dit le deal qu'on a ensemble, là. Il n'a pas traduit les chansons, donc il faut que je le fasse alors. Soto, wala mo khalil light, mal
Merci. En fait, pas le premier, mais le deuxième morceau qu'on a joué s'appelle Haïti. En fait, quand j'écris un morceau, je me force pas à écrire sur tel événement ou tel événement. On était en Californie, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient loué une boîte de nuit, donc ils devaient danser. Et après quelques heures, il faut qu'ils s'arrêtent et nous deux, on va jouer le temps de les calmer et puis reprendre à danser. Et donc dans les loges, on était, donc ça faisait trop de boum, 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 moi ça ne me parlait pas. Et donc je commençais à écrire ce morceau Haïti. Et c'est les événements voilà, qui s'est passé là-bas. Et ça a été très dur, je dis, Haïti, les gens ils sont là-bas. Mais vraiment, ils ne savent plus où est-ce qu'ils se trouvent. Ils sont vraiment désespérés. Tu vois. La terre s'est disloquée. On entend des cris partout, vraiment une vraie souffrance. Et nous, on est ici dans cette boîte de nuit en train de danser, de chanter, de crier. C'est vrai, ainsi va la vie. Il y a d'autres qui pleurent, il y en a d'autres qui rient. Et donc voilà, voilà, j'ai essayé un petit peu d'expliquer aussi cette souffrance qui s'est passée de l'autre côté. Voilà. Et le morceau qu'on vient de finir s'appelle Badion. Donc là, je parle. Je sais, c'est mon tour. On est dans un pays francophone, donc je comprends, t'inquiète pas. Donc je parle de le sens de l'amitié. Parce que tu peux avoir un ami, parce qu'on ne choisit pas son ami. Ton ami peut être plus proche de toi que ton propre sang, que ce soit ton frère ou ta sœur, ou même tes propres parents. Et l'ami, il est indispensable dans la vie. Il peut être l'espèce, hein, vraiment le plus minable, le plus mauvais. C'est-à-dire vraiment, il a toutes les qualités négatives, mais c'est ton ami. Tu choisis ton ami, pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est, je sais pas, il a beaucoup de pouvoir, pas parce qu'il est bien. Voilà, un clochard ou je sais pas, un mendiant peut être ton ami. Et si tu n'as pas d'amis, c'est très difficile de ne pas avoir un ami. C'est difficile aussi d'avoir un ami. Parce que cet ami-là, ce que personne n'osera te dire, c'est cet ami-là qui va le dire. Et cet ami-là, avant que tu verras qui que ce soit, même tes propres parents qui t'ont mis dans le monde, dans ce monde, lui, il sera toujours là. Et c'est très important d'avoir un ami. C'est aussi un fardeau, c'est très difficile aussi. Hein? De ne pas avoir un ami. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Tu as compris?